Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait déjà un petit moment que je les ai, les boîtes à couleur paper, je m'en suis pas encore servi. Donc je vais les attaquer avec vous. Voilà, donc on va faire une carte. Alors pour celles qui ne connaissent pas, bon bah ça vient d'Action bien sûr. Voilà, donc c'est des papiers 15-15 que l'on peint à l'aquarelle pour dévoiler le motif qui est dessus. Voilà, et donc ils sont déjà un peu décorés, vous voyez, comme ici avec du doré, et là au milieu par exemple il y a un mot, voilà, you can. Donc on en avait plusieurs, là par exemple il n'y a pas de doré, il n'y a que le dessin, donc je sais pas si vous voyez bien, ce sont des flèches. Là, c'est un grand cœur. Voilà. Donc ici, par exemple, bon là, il n'y a que du doré. Là, ce sont des motifs. Alors, je regarde lequel on va faire aujourd'hui. Voilà. On va faire celui-là. Alors, le mot au milieu, c'est la vie. Voilà. Donc, je vais récupérer la feuille. Voilà. Donc je vous remontre hein, ce que c'est. Voilà. Donc je vais faire avec mes aquarelles. Donc moi j'ai ça, c'est ma boîte d'aquarelles. Voilà. Vous voyez. Donc moi j'ai ma palette, j'ai mes pinceaux d'aquarelle, j'ai mon petit verre d'eau. Voilà. Je vais enlever ce qui est en haut. Que ça ne me servira à rien. Alors je vais prendre celui-là de pinceau puisque il sera assez grand. Bien le mouiller. Alors je vais d'abord mouiller un peu ma page. Voilà. Alors, on va faire en quelle couleur? Donc l'aquarelle, il faut bien la diluer. Hein. Pas avoir peur de mettre de l'eau. Jusqu'à ce que vous obteniez la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez en mettre que sur le milieu si vous voulez, ou comme moi, en mettre un peu partout.
Oui, c'est très très simple. Après, vous pouvez donner des effets plus foncés si vous le souhaitez. Un peu par endroit. En jouant avec l'eau. Voilà, moi ça me plaît comme ça. Donc j'estompe un peu le trop-plein d'eau. Voilà, ça vous donne. Donc là, on va laisser sécher ou on peut sécher au wine gun. Moi, je vais sécher au wine gun. Oh, désolé, ça va faire du bruit. Voilà, désolé pour le bruit hein, que ça a fait. Voilà, vous voyez. Donc là, bien sûr, je vais devoir refaire, recouper un peu pour que ça aille sur les cartes. Alors, mes cartes. Là. Voilà. Vous voyez, c'est un peu, c'est vraiment plus juste, je pense. Ouais, je recoupe un petit peu sur les deux côtés. Là, ça fait combien?
Déjà, je vais couper un peu en haut parce qu'on voit le pointillé et ça ne me plaît pas. Voilà. Donc là, je fais à vue de nez, mais je sais ce que je coupe. Encore un peu. C'est déjà mieux. Et comme je suis une maniaque, ah, j'en ai plus dans celui-là. Prendre un autre. Je suis pas loin. Voilà. Donc celui-là, j'en ai. Voyez. Le water, le mix média. Ouais. Donc, du coup, je pense que je vais encore occuper un peu. J'adore celui-là, il est trop beau. Alors celui-là, je vais peut-être le mettre en 3D. Où est-ce que j'ai mis mon 3D? Oh, ah, il est là. Avant. Oh, mon téléphone sonne. Le fixe, je m'en fiche. C'est toujours des trucs pour vous vendre. On s'en fout. Dans 2 minutes, ça va appeler sur le portable, je suis sûre.
Ah, mais encore sur les côtés, mais mince alors. Une petite étiquette de ce côté-là. Voilà. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc là, on va le mettre à plat. Voilà. Et un au milieu. Alors le seul défaut que je trouve à ça, c'est que le papier n'est pas très épais. Voilà, parce que pour faire de l'aquarelle, il faut du papier très épais. Et là, bon. Mais bon, c'est du action, hein. Pour en demander plus à Action. Ciseaux. Le 3D s'arrache toujours quand on le décolle. Oh là là. Et voilà. Voilà la petite carte. Bon, là, pas besoin de beaucoup plus, hein. Une carte toute simple. Voilà. Comment on se sert donc de ces papiers que j'ai mis où? Là, voilà. Donc moi j'ai fait en version orange, je l'avais fait en version rose. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et vous, dites-moi si vous en avez déjà fait et ce que vous avez pensé. Justement, comme je vous dis, moi je trouve que le papier est assez fin pour faire de l'aquarelle. Donc, mais bon, voilà. Ça fait son effet quand même, hein, voilà.
Donc voilà, un petit tuto supplémentaire hein, pour vous montrer ce que l'on peut faire donc avec ces papiers watercolor paper pour faire des petites cartes, des jolies cartes. Moi j'aime bien, bon, voilà, c'est assez simple quand on a envie d'envoyer une petite carte comme ça, rapide. Et bien voilà, c'était un petit tuto pour vous montrer comment se servir de ce paper, donc ces watercolor paper et de l'aquarelle. Alors l'aquarelle, c'est vrai que c'est un petit investissement quand même, parce qu'une petite boîte comme ça, c'est quand même 15 euros. Donc c'est vrai que l'aquarelle était quand même assez chère. Ben, voilà, vous voyez, ça c'est une boîte qui fait 15 euros. Que j'avais eu à Cultura. Donc, bon, c'est vrai que l'aquarelle, c'est un peu cher, mais si vous voulez pas en acheter, achetez-la vraiment si vous allez vous en servir. Pas, n'allez pas acheter si vous allez faire trois feuilles, ça sert à rien. Donc, moi, je l'ai acheté parce que, bon, ben, je fais du dessin quelquefois, donc voilà. Moi j'avais pris la marque celle-ci, donc Dallaire Rouanet, oui. Donc j'avais pris juste une petite boîte. Après on peut acheter des godets en plus, hein, tout seul. Les godets c'est pareil, hein, par godet, c'est les petits godets, c'est ça. Ce qu'on appelle les godets, c'est les couleurs. Voilà. Mais bon. Donc voilà la petite carte pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve très rapidement donc pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto, une créa. On verra. Voilà. Fifi dort, hein. Désolée, elle n'est pas là. Allez, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. À bientôt, bye bye.